Alors comment comptes-tu éliminer Steiner, Lady Nightingale? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Ce nom est symbole d'espoir pour les survivants, Paulina. L'espoir nous fera pas gagner la guerre. Bouge-moi. Bande de salauds. Aux alliés de Lady Nightingale, tous ceux qui prêteront refuge à cette terroriste seront sévèrement punis. Soki. Viens, montons par là. Tu crois que le sniper, c'était un Jägermörder de Steiner? En tout cas, on doit faire plus attention. Nina, t'entends ça? Tiens, regarde. Là, sur la droite. Steiner. Mais où est-ce qu'il va? Il se dirige vers le quartier commercial. T'avais peut-être raison au sujet des Jägermörder, Misha. Allons-y, avant qu'on le perde. Misha, attention! On est en plein milieu de tir croisé! Utilise mon couteau pour faire diversion! Attends, quoi? Fais-moi confiance! Je les occupe! Paulina, fais gaffe! Prête! Je te couvre! Allez, davai! Adieu. Maintenant! Davai, davai, davai! Je les occupe! Salaud! Misha, j'ai besoin d'aide! Je te couche! Je les ai eus! On y va! Fais gaffe! Fais diversion!
un chien! Fais gaffe! Merde! Soldat, on approche! Ouvre-moi! Je te couvre! Adieu! Des chiens! Abattus! À Stalingrad, il n'y a de place que pour une seule tireuse d'élite. Je...
Obligé à l'affronter. C'était pour t'aider. Tu l'as eu. Allez, on bouge de là. Il est mort. On devrait être tranquille pour un moment. Deux Jäger Mordor. Il doit pas être serein. On doit se rapprocher du but. Alors en avant, Soren. Là, le véhicule de Steiner. Je peux pas l'avoir tant qu'il est dedans. On doit essayer de se rapprocher. Vivement que je puisse lui mettre une balle dans la tête. Merde! Ça craint, Paulina. On peut pas tirer d'ici, ils sont bien trop nombreux, regarde. Merde. Steiner. Sur la droite. Enfoiré. C'est peut-être son supérieur. Sniper, à terre! Non! Ça va? Misha! C'est pas si grave que ça en a l'air. Ok, arrête de bouger, je vais regarder. Non! C'est mauvais signe! En effet. On n'a pas le temps pour ça, Serette. Tu m'entends? Faut que je te mette en sécurité pour te soigner. Tu ne vas pas mourir ici. Allez, on bouge. Je t'amène au bureau de poste. Tu risqueras rien là-bas. Oh. Respire, respire. Stop!
arrêter. Schnell. Aider à sortir de là. Écoute, il faut juste... Mais dis-moi, s'il te plaît. Non, tu délires. Allez, il faut qu'on avance. Paulina, va-t'en. Non. Tu couvres l'ouverture. Moi, je vais les contourner. On n'a plus le temps. Va-t'en. Je vais les retenir. Petit frère. Va-t'en. Ça va aller. Va-t'en. Quelque part, Lady Nightingale. Bewegung in den Gebäuden auf der anderen Straßenseite. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Tirotol. Thank you.
Supprimer de bien plus grandes menaces que toi, petite. Tu es toute seule ici. Que tu le penses.
Débarrassez-vous de cette saleté. Lady Nightingale se cache ici. Lady Nightingale, tu ne nous résisteras pas. Thank you.
moi. Mort ou vive. Thank you.
T'es tout seul, mon vieux. Toutes tes troupes, pouf, envolées. T'en fais pas, tu vas les rejoindre. Je sais tout de toi, Paulina. Toi, la pauvre petite infirmière qui veut défendre son pays. C'est papa qui t'a appris à tirer. Peut-être. Ah, je te vois. La pauvre petite infirmière qui veut défendre son pays. C'est papa qui t'a appris à tirer ? Peut-être ton frère ? Dis-moi, où ils sont maintenant ? Mort, je présume. C'est pour ça que tu es en colère. Tu crois que je suis la source de tous tes problèmes? Alors qu'en fait...
fait, tu es la seule. Ah ! Enfoiré dans le... Stalingrad, ta chère petite ville, n'a pas de quoi être fière. Elle mérite d'être rasée de la carte. Une ville pitoyable, de gens pitoyables. Mais je dois reconnaître que tu as eu une certaine influence. Tu leur as donné de l'espoir. Merde ! Scheiße ! Thank you.
nulle part où aller, Steiner! Toi et tes putains de nazis! Vous mourrez ensemble ici, à Stalingrad. Tu m'as tout pris! Et maintenant, c'est l'heure de payer pour ça. Ça ne t'apportera aucune satisfaction. Ma mort ne changera rien. Nous vous exterminerons tous. Tu feras rien du tout. Pas moi, Herr Freisinger. Il terminera ce qu'il a commencé. Tu vas crever, enfoiré de nazi. Ordure. Que tu m'as laissé, c'est ce couteau! Je pourrais t'aider. C'est dingue. Vous êtes tous pareils. Je compte même plus combien d'entre vous j'ai tué. Et vous déblatérez tous les mêmes conneries pathétiques! Freisinger. Il est censé me faire peur. C'est rien de plus qu'un autre facho de merde. T'en fais pas. Je m'occuperai de lui juste après. Tu pensais que t'allais prendre ma ville et écraser mon peuple. Tu as tenté de me briser, mais tu as échoué. Tu as créé Lady Nightingale. Et maintenant, c'en est fini de toi. La célèbre Lady Nightingale a évité la chute de Stalingrad. Ses actions ont poussé les Russes à reprendre leur ville et à passer à l'offensive. Paulina a changé le cours de la guerre pour les Alliés et son peuple. Avec une telle réputation, elle allait forcément attirer notre attention. Que peut vouloir faire Freisinger d'un simple officier sur le front Est? Quelle importance? Ça! On a beaucoup pour moi, Fräulein. Joli le briquet. D'après mes renseignements, Freisinger avait recruté Steiner pour un projet, disons, plutôt atypique. Project Phoenix. Possible. Tout ce que je sais, c'est que... j'ai été envoyé pour tuer Freisinger. Il y a sûrement un meilleur moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. À moins, bien sûr, que vous n'ayez décidé de devenir raisonnable.
Ouvrez cette foutue porte, et vous verrez si je suis raisonnable. Vous pouvez me faire sortir de là ? Quoi ? Je peux. Espèce de traître. D'accord. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. Putain d'Australien ! Aucun honneur, aucune loyauté ! Arrête tout de suite. Je veux pas être la prochaine victime de ta croisade, Rosebif. J'espère que le plan valait le coup. Bonne chance, Lucas. Je pensais que vous sauriez mettre un terme au plan stupide de votre équipe. Vous vous entretuez maintenant, c'est ça ? Sortez. Sortez de là ! Sortez. Je sais pourquoi vous voulez coopérer. Je n'accepterai pas non plus d'obéir à un nègre. Vous vous trompez, l'ami. Je ne vous suis pas. Sa couleur de peau, je m'en fiche. Vous savez pas ce qu'il y a entre les Australiens et les Britanniques ? On était la merde sous la chaussure de la couronne. Oui, bien sûr, mais vos nations sont alliées. Non, non, c'était plutôt de la soumission, vous voyez ? J'ai fait tout ça parce que pour les Rosebif, les gens comme moi n'ont aucune valeur. Insolent. Grossier. Habitué des séjours en prison. J'ai nommé Lucas. Il faut reconnaître que le SOE a un don pour dénicher des talents dans des endroits improbables. Car oui, Lucas avait du talent. C'était un expert en démolition au tempérament explosif et à la langue bien pendue. Dans le désert, les rats de Tobrouk étaient une véritable famille. Malheureusement, ils n'ont jamais vraiment supporté l'autorité. Quand tu veux, princesse. Je savoure ce moment. Bon, bien entendu, toutes mes excuses, votre majesté. Hé, hey, Bluey, réveille-toi. Faut pas que tu rates ça. Ah, oh, bordel, pose-les tes cartes, putain. D'accord, Dess. T'as plus qu'à chialer. Oh, espèce de salaud, j'y crois pas. Je peux savoir pourquoi vous êtes pas à vos postes. Major Rams. Vous pensiez vous la couler douce. Major, le convoi approche. Bien. Vous, les rats, suivez-moi. Et pour une fois, comportez-vous en soldat. Monsieur. Oh oui, chef, non, chef. Tu vois, c'est à ça que ressemble un vrai soldat, mec. On peut dire que tu sais lui tenir tête, Bluey. Oh. Bien joué, mon gars. Va te faire foutre, Dess. Qu'est-ce que fait Hams ici, de toute façon ? C'est le Major. Il peut faire ce qu'il veut.